Maintenant, je cède la parole à Mme la députée de Taillon. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Je souligne la présence dans nos tribunes de Mesdames Marianne Laramé et Nathalie Côté de la Société canadienne du cancer. Elles seront présentes dans le hall de l'Assemblée nationale pour souligner la Semaine nationale des soins palliatifs du 3 au 9 mai. Arrêtons-nous pour les rencontrer. Accompagner des personnes en fin de vie, c'est soulager la douleur physique aussi bien que la douleur psychologique. C'est permettre de vivre intensément le moment présent tout en respectant la volonté ultime de la personne malade. Je salue le travail des professionnels, des proches aidants et des bénévoles dévoués aux soins palliatifs. L'adoption de la loi concernant les soins de fin de vie et du plan de rehaussement des soins palliatifs doivent permettre d'atteindre le véritable objectif, soit des soins de qualité pour tous, au bon endroit, au bon moment et dans le respect profond de la dignité de chaque personne. Merci, Mme la Présidente. Merci. Et mesdames, bienvenue à l'Assemblée nationale.